pourquoi vous êtes ici ce matin? Ben pour un ras-le-bol général. On en a marre de tout, de payer trop. Beaucoup trop de taxes, beaucoup trop de charges. Je pense que le carburant, avec la hausse des carburants, c'est ça qui a vraiment fait éclater. Voilà. Après, c'est vraiment un ras-le-bol de tout. Après, on est venu ici, on vient de province, donc on a fait 400 km. On est parti à minuit. Excusez-moi parce qu'il me fait rire. Donc on a roulé toute la nuit, après on est arrivé ce matin. Je ne vous cache pas qu'on a quand même un petit peu peur. Quand on voit tout l'effectif de police, quand on voit tous les gens autour de nous, ce qui s'est passé le week-end dernier. Mais bon, après, je pense que c'est important d'être là aujourd'hui. Les débordements qu'il y a la semaine dernière, vous les comprenez, vous les condamnez, c'est quoi votre position à vous? Bah, après, les comprendre ou les condamner, moi j'ai regardé donc BFM TV, donc j'étais chez moi derrière mon écran. Il y a des gilets jaunes qui sont exprimés et après je pense qu'il y a eu une bande de casseurs, enfin on va dire que c'est un cliché, mais il y a eu une bande de casseurs comme tout toujours, et du coup ils ont été pris dans le lot entre guillemets, donc du coup ils se sont retrouvés, il y a des gens qui ont pris alors qu'ils étaient là juste pour manifester quoi. Donc après c'est toujours un peu pareil. Aujourd'hui nous on est là parce qu'on en a marre de payer trop cher, de tout payer trop cher. Et après, voilà, comme je dis, c'est un ras-le-bol général. Moi, je suis à mon compte depuis 2 ans et j'ai deux camionnettes qui roulent. En quelques mois, on est passé à 500 euros, voire 600 euros de plus en carburant. Donc c'est vraiment, on en a marre, quoi. La vie en France, pour vous, elle est de pire en pire d'année en année, ça ne s'améliore pas? Bah, après, de pire en pire, ça dépend pour qui. Je vais dire qu'elle est mal faite pour les gens qui bossent, qui essayent de s'en sortir. Après, oui, je pense que c'est de pire en pire. Ouais. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là, et puis pour s'exprimer, quoi, pour dire qu'on en a marre. Après, faire partir Macron ou démission, je pense que ce soit Macron ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas si ça va changer quelque chose. Après, c'est juste qu'on revienne à la réalité, quoi.
bon, ça va. Bon, ça va. Arrêtez-vous! Je pense des tensions là qu'on vit actuellement. J'ai du mal à analyser la situation. Je trouve que les forces de l'ordre sont quand même très remontées et utilisent très facilement les gaz lacrymogènes. Alors que nous, quand on est arrivé, on n'a même pas eu le temps de comprendre ce qui s'était dit, ce qui s'était fait. Ça gazait déjà. Donc ça interroge. Thank you.
pas violent, on est là pour se défendre, simplement. Là, ils nous chargent, ils nous balancent des trucs dans la gueule. Moi, j'ai pris deux pains dans les jambes. Pour l'instant, c'est encore bon enfant, j'ai l'impression. Mais j'espère que ça va pas dégénérer. Mais c'est pas nous qui faisons dégénérer les choses. C'est pas parce qu'on a les masques à gaz, c'est pour se protéger. C'est pas des armes, c'est de la protection. On fait quoi sinon? On gère par terre et puis on reste au sol? Non, c'est pas ça le truc. Mais c'est eux, qui sont la violence, qui sont armés, qui ont tout leur bordel là. Pour vous, s'il n'y avait pas de CRS, ce serait calme actuellement? Mais bien sûr. Moi, je suis venu là pour de la province, moi, je suis pas venu là pour casser. Si je veux casser, je fais ça chez moi, puis d'ailleurs, j'ai pas à casser. C'est pas ça le souci. Ouais. C'est pas ça le souci, on n'est pas là pour casser. Et vous étiez pacifique, mais du coup. Mais on est toujours pacifique, oui. J'ai rien fait, moi, j'ai rien lancé, j'ai rien fait encore. Il y a des projectiles des deux côtés, est-ce que vous pensez que les gens qui lancent se défendent en fait, sont là parce qu'ils ripostent? Bien sûr, mais qui c'est qui lance en premier? On n'est pas à l'école là. On n'est pas dans une cour de récré. Ou alors apparemment c'est la grande cour de récré, ouais. Alors avec les plus forts, parce qu'ils sont casqués, parce que les mecs c'est des stocks à fil souvent. Ouais. Et voilà, les mecs ils sont coqués, ils font les malins, ils ont sûrement des ordres derrière qui sont poussés au cul. On leur pousse au cul, ouais, allez-y les gars, machin, c'est tous des révolutionnaires. Ouais, bah oui, on veut faire virer Macron, ça c'est sûr. On veut faire changer les choses. Mais ça c'est le droit en France, c'est un droit, c'est un droit. Et il y en a qui disent que si on reste pacifique, rien ne changera, ce sera une manif comme d'habitude et qu'il faut radicaliser le mouvement. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Radicaliser le mouvement, je sais pas, faut voir comment ça. Moi je suis venu voir à quoi ça ressemblait, moi. Je suis venu pour pouvoir me défendre. Voilà, ça c'est quoi ça? C'est quoi ces trucs là qu'on entend là? Ces booms, ça vient de qui? C'est nous qui faisons des booms? Le jour où les gens ils viendront faire des cocktails Molotov, là on pourra dire qu'il y a une insurrection ou quelque chose. Pour l'instant c'est pas le cas. Mais par contre ça va arriver. Et je me demande si là-bas au-dessus c'est pas ce qu'ils attendent. Ça donne une mauvaise image puisqu'ils sont en train de se passer les échauffements. Non, mais voilà. Ils n'auraient pas commencé. On est venu ce matin, on avait tous nos papiers, tous nos sacs vides. Voilà. Dès 8h15, ils nous ont gazés. Voilà. Donc c'est. Après, je comprends, ils ont leur boulot, c'est leur métier, c'est. Voilà. Je peux comprendre. Chez eux, ils ont des soucis tous les jours. Vous avez. Regardez. Les deux policiers à Viry-Châtillon, ils ont été cramés dans leur voiture. Vous prenez le dernier, il y en a un, il s'est suicidé à Grenoble. Ils travaillent avec des poubelles. Ils sont tous, on est tous concernés, tous. Voilà, c'est. C'est important pour vous de remettre de l'ordre là, de remettre les mobiliers en place? C'est pas que c'est important, c'est que je me mets à leur place. Je me mets à la place de tout le monde. En fait, c'est peut-être trop dans l'empathie. Mais c'est vrai que de l'empathie, on ne peut pas en demander à des gens qui n'en ont pas, hein, d'en avoir. Alors moi, je suis comme ça.
Voilà. Vous comprenez que des gens puissent se révolter et en venir aux violences? Vous comprenez ça? Comment est-ce que vous en pensez? Aux violences physiques, non. Après, on se dit, c'est du matériel, mais le matériel, c'est un peu aussi, quoi. Mmh. Voilà. Après... La colère est telle, est-ce que vous ne craignez pas, justement, qu'on assiste de plus en plus à ce genre d'action, de manifestations violentes? Est-ce que vous le craignez? Bah oui. S'ils n'écoutent pas les Français, oui. Malheureusement, oui. Mais qui écoute les Français? Parce que, vous savez, il n'y a pas besoin d'armes, hein. Il n'y a pas besoin d'armes, hein. Les gens, vous leur mettez tout ça, ils se suicident, hein. Vous avez des agriculteurs qui se suicident, vous avez des policiers qui se suicident, vous avez des infirmiers qui ne peuvent plus partir. Justement, rien n'avance. Non, on régresse. Alors on demande aux Français d'exemplarité. On dit aux Français, soyez des Français exemplaires. Mais est-ce que le gouvernement, il est exemplaire? Mais tous les gouvernements confondus, hein, qu'ils soient de gauche ou de droite. Hein. D'où ma question, ce mouvement va-t-il finir dans la violence? Ah, il commence déjà, il est déjà dans la violence. Regardez, Chantal Mazé, elle était quand même. C'est quand même une retraitée qui était dans la rue, qui s'est fait écraser. Là, bientôt, ça va recommencer parce que les fonctionnaires, l'année prochaine, quand il va y avoir la réforme sur les retraites, vous croyez que les fonctionnaires aussi vont pas se rendre délit? Et les affiliés, c'est toutes les taxes qui arrivent mais notamment tout, au mois de janvier. Mais tout, c'est tout. C'est un, quand on dit les doléances, on s'y retrouve plus, il y a de tout et tout. Mais parce que c'est. C'est suivant chaque Français, son état d'âme de chaque Français, il a des doléances particulières, parce qu'eux, ils survivent. Voilà. Oh!
Tu pisses, tu pisses le sang. Oui, mais c'est superficiel. C'est pas superficiel. Y'a rien. On va pas prendre de risques. Asseyez-vous. D'accord. Oui, bah les risques, il fallait pas les prendre avant. Allez, monsieur, asseyez-vous. Avant. Hein, parce que l'autre, j'ai levé les mains. Il m'est rentré. Notre patrie, notre nation.
les médias. Le peuple français. Le peuple français, vous êtes le peuple. Vous êtes comme nous. Vous êtes comme nous. On est vos frères, quoi, vos sœurs.
tape sur la gueule. On a rien fait.
attends, je vais juste passer. Attends, il y a des casseurs en haut, j'arrive. Tu passeras pas, tu passeras pas. Reste pas loin, je vais trouver un smack. Ouais. Des paquets de couilles, l'idéal pour être. Allez, à fond, on décale à gauche. Thank you.
Régaler à Rivoli à la con. Ah, déjà c'est.
met dans la merde pour toute la vie. Parce que je vais recenser les ici. On peut pas faire le même prochain. Ah non, mais après, je vais pas faire comme ça. Je vais me barrer. Je vais faire comme ça. Parce que après, il y a toutes les questions. Vous avez retrouvé votre magasin dans quel état? Expliquez-moi comment vous avez vu ça. Et quand je suis arrivé ici, la vitrine était à terre et dévastée à l'intérieur. Vous avez vu les gens le faire ou... Non, j'ai pas vu les gens faire. J'étais sur un autre magasin à Berry qui a été également cassé. Et le temps de venir à pied parce qu'on ne pouvait pas circuler en voiture. Je suis arrivé et tout était dévasté. Heureusement que les voisins de l'immeuble ont su gérer quand même et un petit peu canaliser les gens pour éviter qu'ils dévastent encore plus. Le magasin, il était fermé. Vous avez pris des précautions? Le magasin était fermé. On avait pris les précautions d'usage. Vous avez pu voir les vidéosurveillances ou justement... On a les vidéosurveillances, on essaiera de les exploiter après par la suite. Il y avait combien de personnes, vous avez vu un peu comment ça s'est passé? Non, mais ils arrivaient par des groupes, d'une vingtaine et puis voilà. On a été prévenus, mais tant de venir et puis on privilégie la sécurité du personnel qu'autre chose. Donc on ne veut pas exposer le personnel à d'éventuelles blessures. Là, les dégâts, ils sont considérables. Vous chiffrez ça à combien à peu près? Je pourrais pas vous dire, mais ils sont considérables parce qu'il faut tout refaire là. Les gens sortent dehors après, hein, les ados.
Attends. Dans quel état est le magasin là, expliquez-moi. Vide, complètement vide. La moitié du stock, grosso modo. Vous étiez là quand ils sont rentrés, comment ça s'est passé? Ouais, j'étais juste devant là quand ils ont tout pété, là, j'étais juste là. Une soixantaine de personnes. Comment ils ont fait? Expliquez-moi comment ça s'est déroulé. Et ils ont jeté des chaises à plusieurs reprises. Ils ont fini par ouvrir une vitrine, puis une deuxième. Ouais, ils sont tous rentrés. Puis il y a eu 40 minutes avant qu'on ait la police. Donc 40 minutes pour vider le magasin. Là, on voit plus grand chose, mais on a eu la chance d'être aidé par tout l'immeuble. Mais incroyable, quoi, incroyable. Là, les rayons sont vides parce que tout a été pris ou parce que vous avez rangé des choses? Non, tout est vidé là, par leurs soins. Ils étaient cagoulés, c'était quoi leur profil? Non, ils étaient pas gilets jaunes avant tout. Aucun de ça. Et puis le profil de la casquette, tout bien quoi. Propre. Les dégâts, vous les chiffrez à combien là, à peu près? Je peux pas vous dire, je peux pas vous dire. Nous-mêmes, on sait même pas encore ce qu'il nous reste, on découvre. Donc, je peux pas vous dire. Vous aviez reçu des consignes pour fermer la préfecture? On était fermé, on avait mis du papier en vitrine pour pas qu'on voit les intérieurs. Mais bon, ça a pas été porteur. Ils savent très bien ce que vendent tous les magasins de l'avenue, donc voilà, on est un de plus sur la liste. Voilà.